Est-ce que vous êtes en forme, oui ou merde? J'ai qu'une chose à vous dire, si vous ne l'êtes pas, c'est bien dommage, parce que oui, aujourd'hui, il faudra bien être en forme, bien se concentrer, bien écouter, surtout c'est très important, puisqu'aujourd'hui, on va faire un épisode à la fois de révélation, mais aussi un petit peu théorique sur le magnifique univers de Harry Potter. Et oui, News Geek permet d'exploiter tellement, mais tellement d'univers, j'adore ça. En effet, oui, il existe bon nombre, mais bon nombre de théories, donc, sur l'univers du petit sorcier à la cicatrice foudroyante, mais une aujourd'hui, eh bien, attisait ma curiosité. En effet, parce que oui, d'après cette théorie, eh bien, il faut savoir que notre beau Harry n'aurait jamais, mais alors jamais vaincu Lord Voldemort sans l'aide d'un certain Drago Malfoy. Oui. En effet, parce que donc, d'après cette théorie, eh bien, sans Drago Malfoy, Harry n'aurait jamais réussi à vaincre Voldemort. Mais pourquoi on est ici aujourd'hui? Ben, c'est tout simplement pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc, pour comprendre un petit peu tout ça, il faut se replacer dans l'histoire. On se trouve dans le combat le plus épique, le plus important de la saga, où il est quand même beaucoup plus réussi au niveau des films, et même en général, puisque dans les livres, le combat est malheureusement mal expliqué. Vous comprendrez justement par la suite pourquoi je fais allusion au film et surtout au livre. Alors ensuite, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que notre jeune Harry fait vraiment à peine une allusion, mais vraiment une toute minuscule au fait que Rogue puisse être le probable propriétaire de la baguette du Sorcier. Mais ce n'est pas le sujet, puisque donc dans cette vidéo, on ne va pas traiter des liens qui unissent le sorcier à sa baguette. On y reviendra peut-être un jour. Bref, dans cette vidéo, il est vraiment très 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 important de faire la distinction entre les films et le livre, parce que sinon, on ne comprendra rien. Donc, pour encore une fois passer très rapidement là, l'histoire, je ne sais pas ce que je fais avec mes bras, on dirait que je nage. Bref, donc le corps d'Harry est montré à tout Poudlard, ce qui énerve pas mal d'élèves. Neville décide de jouer les héros en coupant la tête du serpent. Et voilà. Oui. Mais oui, parce qu'il y a un mais et un très grand mais. Puisque un dialogue très très important qui n'est même pas montré dans le film, eh bien ce dialogue c'est le moment où Voldemort perd véritablement de sa puissance contre Harry. En effet, et oui parce que notre beau Harry dit clairement à Lord Voldemort que Rogue n'a jamais été le propriétaire légitime de la baguette de Sureau. Oui. Eh bien oui, tout simplement, pourquoi? Eh bien parce que c'était pas Rogue, mais bel et bien Drago Malfoy, le propriétaire légitime de la baguette de Sureau. Eh bien oui, souvenez-vous dans le tome 6, quand il désarme Albus Dumbledore en haut de la tour d'astronomie, mais par la suite, c'est donc notre beau sorcier à la cicatrice qui en est devenu le propriétaire, lui-même qui avait désarmé Drago Malfoy dans sa maison. Bref. Cette théorie voudrait tout simplement que grâce à la faiblesse de notre beau Drago Malfoy, en essayant de tuer Albus Dumbledore mais il n'a pas pu, eh bien il a à la fois sauvé sa propre vie dans le tome 7, ben oui, à la place de Rogue hein, finalement, mais également celle d'Harry, oui. Eh bien, vous l'aurez compris, oui, car si Drago Malfoy était vraiment devenu le propriétaire légitime de la baguette de Sureau, eh bien, Malfoy se serait fait tuer par Lord Voldemort, et Voldemort, par la même occasion, en ayant le pouvoir de la baguette de Sureau, aurait vaincu Harry, tout simplement. Je n'ai qu'une chose à dire, on dit merci qui, Harry? Merci Drago! Et bien voilà, les amis, alors j'espère que cet épisode n'a pas été trop long, n'a pas été trop ennuyeux pour vous. Si c'est le cas, j'en suis désolé, désolé. Bref, en tout cas, moi je tiens à vous dire que j'adore complètement cette théorie, et même ben, si vous la connaissez déjà, au moins vous l'avez revue encore une fois. Bref, c'est tout pour moi, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine, et je n'en doute pas dans News Geek pour un tout nouvel épisode. Alors normalement ça sera sur Pokémon Génération, comme ça je vous le dis directement. Donc bref, passez une bonne semaine, une bonne après-midi, et moi je vous retrouve vendredi dans la Minute d'Alex pour un épisode spécial Nisekoi. Bref, je vous dis à bientôt, et je dois arrêter de dire le mot bref parce que ça m'énerve. Allez, salut, ciao. Flipendo!